Tu vois pourquoi je sens qu'il y en a qui vont venir de Paris. Amy. Ok, la vie. Salut les mecs. C'est arrivé après la guerre. Bon, on a regagné un territoire. Mince. Voilà. Bon, allez. Mission suivante. À mon avis, on va se taper Big Smoke. Alors, cette mission-là, j'en ai peu de souvenirs, mais il me semble qu'elle était vraiment cool. Enfin, l'église. Ah bon, on a un territoire attaqué. Aller le défendre. Bah, c'est celui que je viens de prendre. C'était une leçon éclair en tout cas. Putain, puis j'ai plus de vie là. J'espère juste c'est que ce coup-ci la mission est pas juste devant Oh putain, je vais faire un strike. Raté. C'est bon. Je... 520 dollars qui m'attendent là. Juste aller sauvegarder pour récupérer de la vie. Et se faire la mission qu'il faut. Bien, je récupère jamais toute ma vie quand je sauvegarde. You gotta love your hood like you love your homies. It's always been that way. And ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah, I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up, don't you think we ought to take it easy? What? You know, I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. If you don't get this shit together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. So you got a plan? Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the Grove. Okay, let's get those motherfuckers. Oh, j'ai voulu crever. Ça va pas le faire.
Non, pas, pas celle-là. Celle-là. J'adore ce passage. Je sais pas pourquoi, j'adore passer par là. Merde. J'ai pas vu qu'on l'avait passé. Quoi, je dois encore reprendre un territoire? Apparemment, je dois encore reprendre un territoire balas. Je sais pas pourquoi les mecs sont là. Tu es chelou, on dirait qu'ils sont avec nous. Enfin bon. Je l'ai vu. C'est bon. Quoi, ah non, je dois prendre tout ça. Tous ces territoires-là. J'ai plus de vie. Là-bas. Faut que j'aille vite la récupérer. Avant que ça apparaisse. Ça parut. Ok, donc faut vraiment qu'on prenne le contrôle de tout. Purée, ça va être chaud. Peut-être qu'il y a des endroits... On va garder un peu les mitraillettes, histoire de pouvoir sprinter. Come on, man, keep up. Suite, bordel. Allez. Putain, mais je suis pas. Hey, over here, come on, keep up. You. Là-bas, ok. Keep up.
is? Je parle pas beaucoup, mais je vais concentrer. De toute façon, visiblement... Ça passe pas en haut pour ces vagues-là. D'accord, alors là on a le choix entre reprendre comment ? Soit prendre un autre territoire. Oh, on va continuer. Non ! Non ! Mais par une ambulance en plus, mais... C'est pas possible ! C'est pas possible ! Tiens ! Putain, l'ambulance. Oh le zbeul. Bon. Bon ok, donc il faut prendre deux territoires et puis... Et puis c'est marre. Bon. Bon, on est reparti. Je vais couper, hein. Je coupe pour commencer. Par contre, vu que j'ai pris les deux territoires, est-ce que... Attendez, on va juste vérifier un truc, c'est... Est-ce qu'en reprenant les deux territoires... Oh, tiens, on va prendre sa bagnole. Est-ce qu'il a réinitialisé les territoires ou pas? Ouais, il les a réinitialisés. Donc ça... Ok. Donc vaut mieux, à mon avis, vaut mieux faire toutes les missions de suite avant de commencer à vouloir dominer toute la ville. J'essaie d'aller récupérer le gilet pare-balles. Non, ça a réapparu avant. Bon, de ce côté-là, je peux faire péter les bagnoles. Donc ça va. Froussard, viens là. Voilà. Purée. Et le jeu a craché. Ouais, à tout de suite. Bon. Voilà. Ça c'est fait. Je retourne sauvegarder rapidement et puis on va continuer. Ok, d'accord. Donc apparemment CJ. Donc apparemment on retourne au manoir de Mad Dog.
Excusez-moi si vous avez entendu un boucan pas possible au début de la cinématique, mais j'avais mis mon ventilo, il fait très chaud aussi. Et c'est le retour du ventilo, oui, oui. Je sais plus quelle série j'avais... Enfin, quelle fin de série j'avais foiré avec ça. Ça devait être Bang on an Evil. J'avais filmé avec le ventilo allumé, puis ça avait fait un vacarme pas possible dans le micro. Ok. J'ai fait une petite sauvegarde avant. Comme ça au moins si je rate la mission je peux charger puis je suis à deux pas du... Je vais pas me retaper toute la route quoi. Ok. Alors juste un instant. Voilà, excusez-moi. Donc on est reparti. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission? Riot. Ok. Ça veut dire émeute. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpin, both hardworking members of Community Policing Unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. Eddie hogged the bar. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence... and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh, wait. They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, District Attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Ah oui, on est en mode émeute. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Ok, on retourne à Grove Street. There ain't no justice, man. How does scum like Tenpenny stay on the streets? Man, I don't know. Just the way shit's stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down on the and we will, sweet. Bon, ce coup-ci, je vais pas faire le...
Margoulin? Who's the weird Brit? What? Oh, Macca. He got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hound's jerk-off? Yeah, reckon. Spank the monkey? Yeah. Take Fabula out? Quit it. Burp the worm? Enough, man. Hurlement. Bon. On peut se méfier, on est en mode émeute. Hein. Bah là, ça a l'air d'être vachement calme pour un mode émeute, mais... Shit, look at this place. Even old ladies wild as shit. I guess it's better to stay at home and watch the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a board. Ok, alors on peut se méfier, il y a des véhicules qui explosent parfois sans shit, prévenir. Man. People real mad. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most deceptions gonna have new TVs. Look at them, like eight kids and shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. Everything burning! Put your foot down. Man, the ghetto's tearing itself apart. Ouais, c'est pas réellement tout à fait ça. Les mecs, poussez-vous. I'm gonna gather some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Bon, ok, ça a été relativement simple, hein. La mission en mode aller du point A au point B quoi. Mais ça a déclenché le mode émeute en ville. On enchaîne. Yeah, so get the place locked down. No one's gonna ruin the hood. You hear me? No! I see. What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family? Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed an operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. Now you do something you want to fucking pray? Nigga, please. That ain't fair, man. Carl! Man, I need your help. Man, I'm kind of busy right now. Family shit. I helped you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My hood screwed up, too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. All right, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. Alright, I hear you. I got your back. Come on, let's roll. Orale, the barrio's coming back. Okay, so what's the plan? We're gonna meet three of my veteranos over at Unity Station. Three? Is that all? Alright, I'm gonna get a couple of the family boys to come through, too. Excusez-moi, donc je suis de retour. Comment le... Donc il se recrute. Ok, c'est réellement le sbul. Bon.
Le jeu a crashé. Encore une fois. Ça fait rien. Très bien, donc, après le crash précédemment, voilà, on vient de crasher, j'ai fait une petite pause. Et donc, on est reparti. Alors, on est reparti et je pense même qu'on va finir le jeu. Vu qu'apparemment, la mission qu'elle a est l'avant-dernière. Apparemment, il ne reste plus que celle-là, puis une autre après. Et c'est fini. Alors, on a déjà vu cette cinématique. Ok, so what's the plan? We're gonna meet three of my veteranos over at Unity Station. Three? Is that all? Alright, I'm gonna get a couple of family boys to come through too. Alors, ça a bugué quand j'ai voulu recruter des mecs à moi. J'espère que ça va le faire. Ok, j'en ai recruté un, deux. I know you ain't got no dick, but maybe you got heart, homie. Shit's real serious, man. Look at the streets, eh? Yeah, we better watch ourselves, man. We don't want to get caught on the baller strip while this shit's going down. Ok, j'en ai pris un trop, mais... Tenpenny brought the central to his knees. Bon, apparemment, Unity Station. Bon. Alors, j'espère que hey, ça va au niveau de mon son. I have a question to ask you. Yeah, what? Well, it's personal. Come on, man, we brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall the question. What's the problem? Call her, dude. Here, use my phone. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, I know you're cool, Holmes, but it's sweet, man. He's the problem. Can you talk to him? Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. J'espère que mon son va bien parce que, en fait, j'ai débranché mon micro quelques secondes, enfin quelques secondes, ouais, même plusieurs heures en fait, pendant la fameuse pause en fait. Those tacos, man, I'm gonna cut those tacos. Raspalo hasta el hueso. Hey, carnales, what's cracking, Holmes? Cesar, you must be CJ. Cesar says you cool, so we cool, Holmes. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. We stick together, those vagos pendejos won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. Hasta la muerte! Hasta la muerte! Ah oui, cette mission! Oh, je me souviens! Bon, on va faire un carnage, hein. Putain, la vache, je suis plus dans le bain, hein. Je crois que ça se voit, je suis plus dans le bain. Il a reçu une balle sur le côté. D'accord, bah vous êtes un mec. Je voyais sur le radar mais je ne le voyais pas en vrai. Putain la vache, je crois pas qu'on va perdre la vie, non. Merde, je crois que je me suis fait... c'est moi qui ai descendu le mec ou... Non, je pense pas. Je pense pas, il allait bien le mec. Ok, il reste qu'un mec, apparemment il est par là. Hey, come on, man, I thought we was back. That's the last of them, let's move out. Reste vers la ruelle. Bon, ça va. Je suis pas trop mal.
Don't keep up. Je vais les attendre par contre. Alors on a qui? On a toujours les trois mecs de... Enfin les... Ouais, ok. Les miens se sont tous défoncés. D'accord, ok. That was the easy bit, eh? Now we're going to the Viper's Nest. This is where it gets tough. Luckily, we have a little surprise up our sleeves. Eh, Sonny? That's a rocket launcher, man. We'll bring the National Guard down on us. Look around you, CJ. The whole city is a war zone. Come on, I want to take my house back. Parfois je suis un peu n'importe quoi avec ma souris, c'est parce qu'en appuyant sur contrôle en fait je touche mon tactile de l'autre côté en fait. Ce qui fait qu'en fait mon... C'est parfois n'importe quoi en fait mon tactile. Mais c'est n'importe quoi. Let's fucking finish this! I'm with you man, let's take these pumps. Find a new home assholes, Vagos on this hood. Burn Aztecas, burn! Oh. Oh le zbeul. Bon, on va sauvegarder là-bas. Par contre, je sais pas compris, ils nous ont laissé une... Ah, c'est pas quelque chose. What up, bro? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know we're smoke high. As long as the grocery fountains don't rule the streets, the money's gonna be more than our rent. What you got in mind? Yeah, hit those bombs and bars with everything. Hit every neighborhood they got. That's the only way. I'm down for that. I'ma see what I can find out on the street. Big love, bro. Much love, bro. D'accord. Donc là, il va falloir qu'on contrôle des territoires. Je sais pas si on va faire ça en timelapse, parce que ça va être long. Ouais, je pense qu'on va faire ça en timelapse. Je sais. Le problème, c'est que les timelapses, la première personne comme ça, bah, ça va faire l'impression, voilà, ça va faire vraiment l'impression de ça, quoi. Ça va être vraiment super rapide tout le temps. Ou alors... ouais, faut que je me mette vraiment en vue de loin, en fait. Non, c'est pas ce que je voulais. Et on va se partir à partir de Grove Street. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça tout de suite ou est-ce qu'on peut faire la dernière mission? Je vais vérifier quand même si on peut pas faire la dernière mission. Thank you.
Sauce Bull. C'est quoi ça? Ah, c'est un... D'accord, c'est un truc de chance. Alors, on a accompli ici, on est à 2100, de toute façon, je touche pas à ce pognon. Là, je laisse augmenter. Je crois qu'il peut aller jusqu'à 10 000 maximum, donc on le récupérera quand il sera à 10 000. Je vais juste sauvegarder plus proche. Et on va aller voir, ouais, non, on va prendre plutôt ça pour courir plus vite. Et on va voir si on peut faire la dernière mission ou pas. Ou s'il faut absolument qu'on... Ok, donc il faut bel et bien contrôler plus de territoire. Écoutez, je pense qu'on va faire ça en timelapse. Donc je vais couper mon micro et puis on va faire ça en timelapse. Donc je sauvegarderai quasiment après chaque ou tous les deux territoires, genre tous les deux territoires je sauvegarderai. Et puis, on va faire ça. Et on va commencer par ici. Allez, à tout de suite.
call it Swick. Hey, what's up? You find Smoke? After we dumped on those ballers, the Vargo started to speak. We got him now. He's hiding in Los Flores or East Los Angeles. Time to saddle up, CJ. All right, I'll get you and then we'll roll over there. Bon, très bien. Alors, j'ai fait suffisamment de territoire. Alors oui, j'ai chuté comme un porc, hein, parce qu'on en avait marre de me faire descendre en boucle. Donc j'ai activé le pire shit qui soit. J'avais eu recours un petit peu hors caméra, c'était juste essentiellement pour les trajets. Ce genre de truc. Voilà, donc c'est grâce à un programme qui s'appelle... GTA Center, où il est connu aussi sous le nom de GTA Admin Console. Bon, je vais le désactiver et on va faire la mission restante. Mais voilà, c'était vraiment pour aller plus vite et puis moi je me suis quand même bien éclaté. Je désactive le truc, je recharge la partie pour que les cheats ne soient pas.